sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des avantages du confinement pour les personnes qui avaient déjà une peau abîmée. Donc, si ta peau était abîmée, tes phalanges étaient noires, tes pieds étaient noirs, ton visage avait des rougeurs, tu n'avais pas une belle peau du tout. Mais tu te souciais sur ce que les gens vont dire au boulot. Qu'est-ce qu'on va dire si tu noircis du jour au lendemain? Si ton compagnon t'a connu clair, tu ne veux pas redevenir noir. Tu n'auras plus le temps de te poser toutes ces questions parce que tu peux tout simplement recommencer à zéro maintenant sans qu'on te voie. Oui, c'est le moment de se laisser noircir à la maison et de relancer avec de meilleurs produits plus tard. Oui, ça peut aider maintenant que vous êtes à la maison, qu'il n'y a pas de boulot pour les personnes qui ne font pas partie du corps médical hein, parce que le corps médical travaille partout. Oui. Donc, vous allez pouvoir vous laisser noircir, arrêter d'utiliser les mauvais produits aux stéroïdes, laisser que votre peau renoircisse, que votre mélanine se reconstruise et que vous relanciez avec de bons produits. Et il y a aussi des personnes, je vais vous dire, il y a des personnes qui n'aiment pas m'entendre parler d'exfoliation. Il y a des personnes qui sont même déjà venues vers moi pour le coaching payant, mais dès que j'ai dit 4 semaines d'exfoliation, elle a dit, et je vais noircir. Et si je paye une teinte, on va dire quoi à mon boulot? On m'a connu clair, elle va devenir comment? Elles ont préféré tout abandonner, continuer avec leurs mauvais produits et mettre le make-up pour sortir le matin et aller travailler. Juste pour pas qu'on voit qu'elles ont un peu noirci. Vous voyez jusqu'où certaines personnes peuvent aller. Donc maintenant qu'il n'y a pas boulot là, vous pouvez vous laisser noircir avec classe. Vous n'utilisez que le lait hydratant. Jergens de préférence, Cetaphil, Avenon, CeraVe, Evoluderm, Amande Douce, Karité, Argan Divin et tout. Il y a pas mal de lait hydratant là-dedans qui respecte la peau, qui ne noircisse pas. Vous pouvez décider de n'utiliser que ça tous les jours maintenant, tout en utilisant votre mix de savon. Ou alors, tout simplement faire l'exfoliation, pourquoi pas? Je vous ai déjà dit que l'exfoliation, c'est le meilleur moyen de remettre les compteurs à zéro, de détoxifier son organisme pour recommencer avec une nouvelle routine qui ne va pas vous bousiller la peau. Je répète, avec quoi on s'exfolie? On s'exfolie le soir avec le lait fer en white aha dessus le corps. Le lait Jergens, Evoluderm, Cetaphil, Avenor, CeraVe, Evoluderm, Argan Divin, ou tout ce que vous voulez, ou le lait au collagène en journée. Le soir, le lait fer en white aha 2. Le soir, le 5 soirs sur 7, le savon fer en white aha. Et 2 soirs, le savon pack Kojisan de 2 ou de 3. En journée sur le corps, le savon Asante. N'importe lequel des Asante. De préférence, le riz ou le turmeric, mais tout autre Asante si vous n'avez pas la possibilité d'avoir les autres. Sur le visage, oui, on s'exfolie aussi, mais pas de manière radicale comme sur le corps. Le corps a vraiment besoin qu'on remette tous les compteurs à zéro parce que quand ton corps décide de te faire des misères ici dehors, tu ne vas pas imaginer. Mais par contre, sur le visage, tu peux utiliser ton eau micellaire, ta lotion tonique sans alcool le matin, suivi de ton sérum vitamine C20, et ensuite ta crème jour. Il y a des crèmes qui sont à la fois jour et nuit, ta crème jour, et après l'écran solaire si tu sors sous le soleil. Mais à cette période de confinement, on ne sortira pas sous le soleil, donc l'écran solaire peut attendre un peu, sauf quand on sort un peu. L'écran solaire peut attendre un peu, et si vous faites bien votre routine visage, vous allez vous rendre compte que vous allez gagner plus de teintes qu'avant, parce que là, vous ne marchez plus beaucoup, vous ne sortez plus beaucoup sur le soleil. Donc, vous pouvez gagner des teintes très rapidement en ce moment de confinement. Le soir, vous allez aussi vous démaquiller à l'aide d'une eau micellaire ou d'une huile végétale. Vous allez laver votre visage soit avec un savon éclaircissant ou alors un gel moussant, si c'est votre choix. Ensuite, vous allez suivre avec... Après être sorti de la salle de bain, vous allez suivre avec une lotion tonique éclaircissante ou à l'acide glycolique 7% comme chez Ordinary, comme chez Some By Me, ou alors une lotion éclaircissante comme Supreme White, comme QI, comme Topsigel. Vous allez continuer à votre crème visage éclaircissante ou votre crème visage clarifiante jour et nuit. Vous allez sceller l'hydratation avec de l'huile de jojoba et avant votre crème, vous aurez appliqué un sérum éclaircissant si vous éclaircissez. Il y a pas mal de sérums éclaircissants là-dedans. Il y a d'abord mon préféré, Dio White Secret Enzyme. Il y aura le sérum Pure Glow, il y aura Carotte Glow, il y aura Diamond Glow. Ça dépend du degré d'éclaircissement que vous recherchez. Il y aura beaucoup de sérums. Il y aura même le Light Top à la vitamine C. À la vitamine C et aux Aya pour le soir, si vous voulez. Mais le Light Top à la butin, je conseille ça pour les phalanges. Donc, restez à la maison, restez enfermés et laissez-vous noircir. Nourrissez votre peau. Hydratez votre peau,
appliquez votre mix de savon plus longtemps accompagné d'un sauna saute. Je vous l'ai expliqué déjà ici. Vous faites votre mix de savon, il y a une vidéo là-dessus, je ne vais pas rentrer dessus, c'est comment on gratte, comment on mélange. Vous faites votre mix de savon, quand vous êtes à la maison et que vous n'avez pas du boulot et que vous n'avez pas beaucoup de choses à faire comme avant, vous pouvez appliquer votre mix de savon sur le corps même deux fois par jour maintenant. Oui, ça peut se faire maintenant le matin et le soir, sauf en période d'exfoliation. Les gens qui s'exfolient, vous ne faites pas les mix de savon. Mais les personnes qui ne s'exfolient pas, qui ont une routine normale, vous pouvez faire et le mix de savon le soir, le mix à santé en journée, le mix kojic gluta à butin, aha, lemon et tout ça, les trois têtes là, vous pouvez faire le mix ça le soir. Et vous portez le sauna suit pour accélérer vraiment la pénétration dans les pores. Donc vous pouvez accélérer votre éclaircissement maintenant que vous êtes à la maison. Comme ça, quand le boulot va recommencer et que vous allez pouvoir ressortir de votre maison, vous aurez gagné plusieurs teintes. Pour les gens qui n'aiment pas les laits lents comme les topsigels là, comme les QI, comme les bédons, comme les suprêmes, ouais, c'est le moment de commencer avec des laits sains lents. Vous êtes à la maison, laissez que ça aille lentement. Et maintenant, vous pouvez accélérer les choses avec les mix de savon. Vous pouvez accélérer vos mélanges avec les concentrés nicotinamide ou niacinamide. Vous pourrez également accélérer l'hydratation et les produits anti-âge avec les concentrés à l'acide hyaluronique. Il y a pas mal de trucs à faire là-dehors pour accélérer vraiment votre éclaircissement maintenant que vous êtes à la maison. Vous voyez? Vous croyez que le confinement allait être la nuit? On n'a rien à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des cours en ligne que vous pouvez faire. Il y a les soins que vous pouvez maintenant faire en profondeur. Vous pouvez maintenant prendre le temps de laisser le savon reposer sur votre corps même le matin. Parce qu'avant, ce n'était pas évident de laisser le savon reposer le matin. Hein? On était toujours en train de courir, travailler et tout. Maintenant, tu peux appliquer ton savon le matin, attendre 30 minutes et laver. Tu peux faire le mix de savon deux fois par jour, comme j'ai dit, parce que tu es à la maison, tu ne sors pas. Tu peux faire les assentés en journée et les autres savons le soir. Et c'est le moment de prendre aussi le temps, pour ceux ou celles qui ont choisi les coachings payants, c'est le moment de prendre le temps pour vous faire coacher tout doucement parce que vous ne travaillez pas. Vous aurez le temps de poser toutes vos questions, d'avoir des réponses à vos questions, de vous faire une vraie routine que vous allez continuer après, de vraiment veiller à respecter les étapes d'une routine. Où il y a tellement de choses à faire maintenant. Occupez-vous maintenant que vous êtes à la maison. Occupez-vous de votre chum, de votre blonde, de vos enfants. Aidez vos enfants à faire les devoirs. Prenez soin de votre peau. Il n'y a pas de soleil, ne pas fuir. Préparez, mangez, mais pas d'excès. Mangez en buvant entre les repas des verres d'eau citronnée, un peu chaud, hein? Un verre d'eau un peu chaud, déjà pour dégager la gorge, avec des pincées de gingembre, des pincées de poivre noir, des jus de curcuma chaud, vous voyez tout ça. Ça va vous aider non seulement à combattre le poids, parce que quand on est à la maison, on mange beaucoup, ça va vous aider à combattre le poids, ça va veiller à votre santé, et ça va aussi vous aider à détoxifier votre organisme pour que votre peau s'éclaircisse encore plus vite. Il y a tellement de choses à faire. Vous allez vous faire le gommage, que ce soit le gommage à santé sur le corps, parce que je préfère le gommage à santé sur le corps, parce que ça coûte cher, il faut qu'on économise sur le corps une fois par semaine, et peut-être le gommage coréen sur le visage une fois par semaine. Faites ça et prenez soin de votre corps. Si vous n'êtes pas en phase d'exfoliation, faites le skin building. Massez votre corps le week-end avec des huiles végétales. Utilisez des crèmes au collagène pour venir maintenant vraiment nourrir, hydrater votre peau. Ouh, en période de confinement, on peut faire beaucoup de choses. En dehors des paniers, vos vivres, de veiller sur votre santé pour ne pas être en contact avec les autres. Vous pouvez faire beaucoup de choses pour votre poids, votre peau, votre corps en général et tout. Donc vraiment, ne prenons pas ça comme une tragédie. Profitons pour faire d'autres choses que nous n'avions pas l'occasion de faire par le passé. Ok, je vous laisse, on se retrouve très bientôt. Que le Dieu Tout-Puissant veille sur vous.